put your hands up. Now work it, work it. Peace and unity. Come on, push it. Listen to the funky drummer. Push it, come on, push it. Listen, listen, push it. Peace, unity. That's motherfucking. Hey, hey, yeah. Oh, yeah. Well, come on down. Push it. Salut, c'est Metalhead et bienvenue dans ce nouveau let's play sur Warrior World 4. Et on va jouer en normal. Ça va être sympa. Vous avez vu l'intro, on l'a vu en HD. Là on n'a plus en HD. Là c'est le rendu in-game, c'est le vrai jeu. Et le jeu te fait TikTok. Non, c'est une vanne. Bah écoute, on peut pas aller à gauche ni à droite, et ben on va en bas. Ah, oh, Warrior Land 4. Oh, quel banger. Je vous souhaite la bienvenue sur ce premier épisode sur Warrior Land 4. Et c'est pas la première fois que je joue à Warrior Land. Ah oui, c'est le tout premier let's play que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Premier let's play que j'ai passé en privé. Parce que bah j'assumais pas trop la qualité en fait. Parce que une vidéo sur deux, des fois on voyait ma tête, des fois on voit pas ma tête. Et surtout j'ai commencé ce let's play au moment où j'avais 25 abonnés. Alors qu'aujourd'hui on est bientôt 1000. Alors forcément, c'est pas pareil. Enfin, alors du coup forcément ici c'est le tutoriel, c'est le premier niveau. On nous apprend à jouer. J'espère que vous aimez ce petit overlay. Vraiment, j'ai priorisé la qualité caméra. J'ai pas mis ma caméra habituelle que je me sers pour mes lives ou même pour mes autres vidéos. Alors là, dites-vous que je suis directement avec mon téléphone. Et à ce que je vois, la qualité, elle est bien meilleure. Bon, par contre, il se peut que des fois, ma voix, c'est un petit peu désynchro par rapport à l'image. Alors, j'aurais aimé vous afficher un overlay pour la manette. Bon, vous montrez les inputs. Mais je ne sais pour quelle raison on ne voit pas les inputs apparaître sur le ciel quand je suis in-game. Ce qui est un peu dommage. Alors, revenons un petit peu sur l'histoire. Vous avez pu voir que Wario a vu un journal avec une pyramide qui a été découverte. Wario est complètement avare, s'est empressé d'aller la voir. Et se retrouve malgré lui enfermé dedans. Et comme vous avez pu voir au tout début, Wario se retrouve à l'intérieur d'un tableau. Mais bon, c'est presque comme dans Mario 64. Et vous avez pu voir aussi qu'il a activé une grenouille. Et la grenouille, vous allez la voir un peu plus tard. Ce niveau, du coup, c'est Hall of Hieroglyphs. Bah, j'ai pas le nom français, c'est l'allée des hiéroglyphes. Je sais pas comment c'est ça en français. Et c'est tout simplement, bah, vous allez pouvoir, qu'il y a forcément des symboles, c'est le tutoriel. C'est vraiment le tout premier niveau. Alors, il y a la clé. Ça, pareil, ça va être un truc. On va avoir à chaque niveau la clé, sinon on pourra pas avancer. Et du coup, éventuellement, pour celles et ceux qui se posent la question, pourquoi Warrior Land 4 et pourquoi pas le 1, pourquoi pas le 2, pourquoi pas le 3, la raison est simple. Warrior Land 1 ressemble à ça, en noir et blanc, ok. Warrior Land 2 ressemble à ça, c'est de la Game Boy Color. Et le 3 aussi. Comme voir, du coup, Warrior Land 4, c'est quand même celui qui a le meilleur rendu, car c'est de la Game Boy Advance. Et on dirait presque un jeu en 16 bits. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien profiter des beaux graphismes. Pas beaux graphismes, c'est... Alors oui, mais non, c'est un vieux jeu. Surtout, c'est une console portable, donc il y a des limitations techniques. Et pour un jeu sorti en 2001 sur Game Boy Advance, les animations sont quand même plutôt stylées. Alors que pour l'époque, Game Boy Advance a quasiment la même spécificité technique que la Super Nintendo. À la même époque, la console dominante, c'est le GameCube. 300! Ah bah tiens, là, la grenouille. Voilà, je vais expliquer qu'il y avait une grenouille. Il y a un portail. Vous allez comprendre à quoi ça sert. On saute dessus. On a une minute. Donc là, on a des blocs. On peut pas passer. On va chercher le croissant. Voilà, c'est vraiment le tutoriel qui vous explique comment jouer. Et en fait, on a un chrono et on doit rapidement, eh bien, revenir au tout début du niveau. Sauf que là, quelle chance! Le tout début du niveau, bah, c'était juste à côté. C'est normal, c'est le tutoriel. Donc, vous avez pu voir que du coup, on a récupéré des fragments. Là, pour le coup, on a récupéré des fragments d'améthyste. On sort du niveau. Voilà, voilà à quoi sert la clé, à progresser. Et voilà à quoi servent les fragments, à compléter
le joyau pour ouvrir une porte. Et là, en l'occurrence, la porte nous emmène vers un boss. Du coup, c'est parti pour Spotlight Rotten. La porte du boss. Les petits effets de zoom, transition ultra stylée. Et pareil pour le boss, on est chronométré. Bon, je le connais bien, c'est le premier boss, il est tout facile. En plus, on joue en difficulté normale, donc du coup, il devrait pas trop être dangereux. Bon, du coup, le boss a quand même plusieurs phases. Hein. Je veux dire, là pour l'instant, il est dans sa première phase. Voilà, là il est dans sa deuxième phase. T'es mal à gueule! T'es mal à sa gueule! T'es mort, regarde, ça fait flipper ce truc! C'est que tu vois que t'es vraiment dans l'univers Wario et pas dans l'univers Mario. Là, ça n'a rien à voir. Pareil, la musique. La musique ultra creepy. T'as l'impression que t'es dans une vue de Feld Up. Wario qui en fait toujours des caisses. Ah. Cinématique. Et vous l'avez compris, ça a débloqué la suite, ça a débloqué les autres passages. Alors du coup, il y a 4 passages. Passage émeraude, passage ruby, passage topaz et passage saphir. Chaque passage contient 4 niveaux et tout simplement après avoir complété les 4 niveaux et récupéré les 4 pierres, parce qu'il y a des pierres par chaque niveau, comme vous pouvez voir, bah du coup vous accédez à un boss. Et pour accéder au boss final, du coup, il faut avoir battu les 5 boss, sachant que le premier, on vient de le faire. Et on peut vraiment faire le jeu dans l'ordre qu'on veut. Genre, si je veux commencer par là, je peux faire le premier niveau. Si je veux commencer par là, je peux faire le premier niveau. Vous avez capté le délire. Sachant qu'il y a des niveaux que j'aime plus que d'autres. Les premiers niveaux sont les plus faciles. Si on prend Emerald Passage, c'est valeur sûre, c'est ultra facile. Le niveau que j'aime le moins, c'est Topaz Passage. Est-ce que je commence par ça? Alors, vous allez voir, c'est pas forcément les meilleurs niveaux. Là vraiment, parce que comme j'ai dit, c'est le moment que j'aime le moins. On va pas perdre de temps. La grenouille, le portail, conditions réelles, et voilà. Et maintenant on doit progresser dans le niveau pour trouver tous les fragments, tuer éventuellement les ennemis sur votre passage. La musique est un peu forte, hein. Je vais peut-être vous baisser ça. Hein. Alors je viens de vous baisser la musique, et il se peut que le début de la vidéo, le son du jeu est un petit peu fort. Et vous allez voir dans ce jeu, il va y avoir des transformations, il y a des créatures hostiles, d'autres passives, qui vous donnent des transformations. Vous allez voir, c'est plutôt amusant. Donc là c'est vraiment le coffret à jouer, hein, je veux dire... Il y a différents thèmes selon les passages. Là, Topaz Passage, c'est un petit peu l'univers enfantin. Ah, et puis des fois, le jeu il nous met des petites énigmes aussi, c'est rigolo. Voilà, fragment. Voilà, c'est le deuxième qu'on trouve déjà. Autant des fois, vous pouvez trouver tous les fragments dès le début du niveau, autant vous les trouvez plus sur la fin. Quand je dis la fin, c'est même une fois après avoir activé la grenouille, tu vois. Et je le rappelle, dès que vous activez la grenouille, vous êtes limité dans le temps. Vous êtes obligé d'arriver à la fin, quitte à refaire le niveau, par certains moments. Ça dépend de la difficulté. Ça dépend aussi de certains niveaux. Je tiens d'un certain niveau, pas forcément très coriace, mais plutôt chiant. Ouais, chiant, genre c'est tout le long du niveau, tu dois mettre des sphères dans des réceptacles. Je vais pas spoiler le niveau, hein, vous allez le voir, hein, une fois qu'on sera dedans. Hein. Alors, je sais pas encore comment je vais monter cet épisode. Il se peut que je fasse énormément de coupure dans le niveau, mais une fois que j'ai activé la grenouille, il se peut que je laisse ça en temps réel. Bon, eux, je leur marche dessus parce que c'est des ennemis. C'est des pâles copies de moi. Ah, transformation! La première transformation, le feu! Mario peut prendre feu sans pour autant prendre des dégâts. Et comme vous avez pu voir, du coup, ça nous a débloqué le passage. On a carrément cassé le caillou. Bon, c'est le premier épisode. Je vous ai expliqué comment ça marche. Maintenant, on peut officiellement jouer. Et du coup, ouais, Wario Land 4. Une anecdote. Bah, ça fait 4 ans que j'ai pas joué. 4 ans, parce que je le rappelle, j'avais fait un let's play. Et j'ai tout passé en privé. La première vidéo que j'ai sortie, elle est sortie, je crois, en 2017. Et la dernière, elle est sortie en 2019. Ouais, genre, j'ai mis 2 ans à faire le let's play. Normal. En même temps, je faisais des épisodes. En fait, c'était niveau par niveau. Quand tu vois déjà que par passage, il y a 4 niveaux, du coup, tu fais 4x4, ce qui fait au moins 16 épisodes. Après, il y a les boss. Il y a le boss final. Mais oui, il y a ça aussi. Alors, du coup, il y a des petits tuyaux violets qu'on peut voir. Le jeu ne se résume pas juste à collecter des fragments. Non, le jeu se résume aussi au score. Et si vous voulez faire le 100%, je peux vous dire que ça vous servira. Ah, le problème, c'est que je peux pas casser ces blocs-là. Comment je fais? Ah, j'ai dit à l'instant que c'est très très simple. Oui, bah, je sais plus comment on fait ce niveau. Ouais. Ah, voilà. Et là, je suppose juste avec la vitesse, ça passe. Bien sûr, Wario peut faire des charges classiques, mais Wario, en fait, peut aussi rush. Si j'appuie sur la touche L ou R, selon la direction où il se dirige, il peut exploser les blocs bleus juste avec la vitesse. Et on récupère, du coup, le diamant. Je rappelle, c'est que des points. C'est vraiment très optionnel, vous êtes vraiment pas obligé de le faire pour finir le jeu. Ah bah, je me suis fait troller par le jeu. Faut que je réinitialise la salle.
Parce que ouais, des fois il se passe des trucs comme ça, c'est que tu te dis ah bah ok j'ai d'être ça. Et non, perdu. Ce qu'il faudrait faire ça par pur hasard, et genre là je cours et ça marche. Et ça... Ouais alors là du coup forcément je ne peux pas passer, parce que je déverrouille ce passage à partir du moment où j'ai appuyé sur la grenouille. Ok bah attends, attends, mais attends. Calme-toi. Ouais ok, donc c'est seulement à partir du moment que Wario prend feu que je peux prendre, je peux diriger mon personnage, hein, vous allez pouvoir. Et là voici donc gros charge au sol mon copain. Oui le dernier fragment il est là. Voilà. Ok, on va y arriver. Tout ça pour le CD. Ah oui, donc du coup, il y a aussi ça. Il y a les CD. Bon, c'est pareil, c'est du bonus. Et voilà, c'est fait. Vous avez vu le chrono défiler? Le temps qui s'affichait, c'est le temps qui me restait en fait pour terminer le niveau. Et on peut accélérer ça? Ouais, parce que je peux accélérer avec l'émulateur. Est-ce qu'on se ferait pas un petit deuxième? Ouais, je parle genre le tout premier niveau, quoi. Le Palm Tree Paradise de l'émeraude. Passage! Ah, il faut ce niveau. Il le faut dans le premier épisode, il le faut. Et c'est plutôt calme, la petite plage. Les niveaux sont très, très, très simples, surtout dans ce passage-là. Et puis la musique est très cosy aussi. Regardez ces petites créatures. Regardez quand je tape dedans. Enfin, c'est plutôt eux qui me tapent dedans au final. Elles sont si inoffensives. Même quand je fais ça, regardez. Il se passe rien. Ah oui, alors là, vous avez pu voir, du coup, j'ai fait une charge au sol. Vous allez comprendre pourquoi je parlais de ça. Parce qu'il y a des ennemis, ils réagissent pas tous de la même façon quand je fais une charge au sol. Voilà, par exemple, lui. Lui, avec sa lance. Lui, c'est un ennemi agressif. Ah, reviens. Mais je crois qu'il va faire des dégâts alors que j'étais dans la zone, dans une zone morte, en fait. Mais lol, comment c'est possible? What? Ça veut jamais arriver, ce délire. Ah mais regardez, là ça marche. Là il est classique, il est jaune, il est pas agressif. Là je le mets en bleu, là il riposte. Et quand je le mets en rouge, il devient super énervé, il riposte. Et quand il me voit, il me charge. Hop là, deuxième fragment. Comme j'expliquais un peu plus tôt, Wario fait une charge classique quand j'appuie par exemple sur la touche B. Et bien il ne peut pas casser les pierres bleues. Par contre, si je fais une charge et que j'appuie sur L en même temps que je me déplace, L ou R, ou sous la direction, et bien je peux casser les briques bleues. De la thune, ça fait toujours plaisir. Ah mais genre quand même, c'est ça chat à ta mère. Et on rentre dedans. C'était gratuit. Voilà, mais il y a différents ennemis forcément qu'on doit devoir vaincre différemment. Les ennemis sont variés dans ce jeu, en vrai c'est cool. Ah, il est là lui. Alors lui c'est pareil dans les salles violettes comme ça. On va souvent le croiser. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut le torturer. C'est ça. C'est ça, vas-y chiale. Chiale. Vas-y c'est ça, meurs. Et du coup on peut servir de lui. Mais genre littéralement. Tout ça pour avoir encore plus de thunes. Allez dégage. Et c'est l'humour Wario Land, hein. C'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas Mario. Hein. D'ailleurs, si vous pensez voir des créatures de Mario, il n'y en a aucune dans ce jeu. Et en plus, les créatures qu'il y a dans cet opus, eh ben, elles ne sont pas dans les autres jeux. Par contre, les transformations, pour la plupart, étaient dans les précédents jeux. Alors là, du coup, j'ai une nouvelle transformation qu'on peut voir. Wario en surpoids. Wario en surpoids peut casser les blocs. Dans l'eau, déjà, en plus. Parce que par défaut, il peut pas. Et bien sûr, il est ultra massif. Attends. On va faire ça déjà avant. On va récupérer la clé. On en a besoin. Est-ce que tu peux me donner le pouvoir, Billy? T'es quoi, on va se servir de toi. Hein. Allez, donne-moi le pouvoir. Voilà. Et regarde, je suis tellement fort que je peux carrément le taper. Les ondes sismiques. Bah. On a des petites caisses de cœur aussi. Ça fait plaisir. Vraiment, ça nous fout le régène. Alors, ce niveau, je l'ai complété à 100%. J'ai plus qu'à activer la grenouille. Et là, j'ai même pas besoin de vous faire de coupure. C'est parti, on y va. Ah, mais j'ai tapé. Regarde, full speedrun. T'inquiète, mon copain. T'inquiète. Je connais le niveau presque par cœur. Ah oui, bon, mais sauf ça, évidemment. J'étais sûr que ça allait arriver. Petit accident. Ah non, mais j'ai tapé. Et pour certains niveaux, c'est vraiment rapide comme ça. Voilà, 100%. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur les passages. Émeraude passage, c'est plus les niveaux nature. On peut le voir directement avec la feuille. Ruby, c'est plus des niveaux type industriel. C'est pour ça que du coup, on fera un engrenage. Topaz passage, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est plus coffre à jouer, plus enfantin. Et le dernier qu'on peut voir, c'est plus un petit peu spooky. C'est un peu plus fantomatique, tu vois. En tout cas, en ce qui concerne le jeu, ça, c'est mon passage préféré. Il y a de grandes chances qu'on garde le meilleur pour la fin. Est-ce qu'on enchaînerait pas avec un troisième niveau? Allez, c'est parti. Allez. On a commencé du coup par le Topaz Passage et bien on continue le Topaz Passage. C'est un big board. Il y a même des graffitis sur les murs. Oh trop bien l'eau. Regardez le RTX. Et là vous allez peut-être vous demander pourquoi cet abruti il a laissé la séquence où il éternue. J'ai fait une bêtise en fait, je me suis mute. Et je me suis pas démute. Ah et je peux aussi que je déteste ce niveau. J'ai pas envie de le refaire. Ce big board. Du coup je vais faire de la voix off.
Voici le premier fragment. Voici le deuxième fragment. Voilà le troisième fragment. Et voici le dernier fragment. On a complété la seconde gemme Topaz. Bon alors la raison pour laquelle je déteste ce niveau, vous allez le voir. C'est vraiment le seul niveau où il y a cette fonctionnalité là. Vous allez voir qu'on a été petite roulette de la chance. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas montré aussi. Cette salle avec des peluches, on se croirait clairement dans une vidéo de Feld Up. Pourquoi j'ai zoomé? Ah bah c'est pour vous aussi faire des cauchemars. Mais vraiment plus long, ça va être pour débloquer la clé de la fin. C'est très chiant, c'est très long. Sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo sur Wario Land 4, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. J'espère que vous allez apprécier ce nouveau let's play. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Allez, salut !